Salut tout le monde, aujourd'hui je suis avec les bolets orangés du chêne. Mais ils ne poussent pas qu'avec le chêne, on le trouve aussi par exemple avec les tilleuls, avec les hêtres ou encore avec des saules. C'est un champignon facile à identifier, bien sûr de la famille des boletacées, avec les tubes en dessous. Un chapeau convexe, bien orangé, typique. Son pied est assez typique car il est recouvert de mèches qui vont d'abord être rousses puis brunâtres. On pourrait le confondre avec d'autres bolets orangés mais qui se mangent de la même manière, c'est-à-dire bien cuits, j'en reparlerai un petit peu après. Le bolet orangé des peupliers qui ne va pousser uniquement qu'avec les peupliers. Le bolet roux qui lui ne pousse qu'avec les bouleaux. Et le bolet renard qui va pousser avec les pins et les épicéas. Ce sont de bons champignons comestibles mais qui ne se mangent que cuits, car crus ils peuvent provoquer des troubles digestifs. Faut pas non plus en abuser. Voilà, ils noircissent à la cuisson mais pas d'inquiétude, c'est bon quand même. Vous pouvez les faire à la poêle, vous pouvez les faire au four, vous pouvez les faire bouillis, en soupe, etc. Voilà chers amis pour le bolet orangé. Et si vous voulez nous soutenir, vous pouvez mettre un petit j'aime, un commentaire et partager la vidéo. Ciao !